Aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est la journée d'intégration chez Nidji. L'ensemble des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent sont conviés, aussi bien des consultants en provenance des métiers du conseil, des designers, des UX, des UA, des directeurs artistiques en provenance de notre agence design, et puis évidemment tous nos talents du métier des technologies. C'est une journée particulière qui permet à chacun de se rencontrer, de se connaître et de créer en fait ensemble un réseau qui durera tout au long de la vie à l'intérieur de l'entreprise. Lors de cette journée d'intégration, l'ensemble des patrons des business units de Nidji viennent présenter leur activité. C'est également l'occasion, évidemment, de partager ensemble autour des valeurs, autour du projet et de la vision de Nidji. Je suis très très contente d'être votre marraine aujourd'hui. La journée d'intégration, c'est aussi un moment de construction d'une promotion autour d'un parrain ou d'une marraine qui va les accompagner au quotidien tout au long de leur intégration au sein de l'entreprise dans les premiers mois. Cette journée, c'est un format spécial qui perdure depuis le début de l'entreprise, mais qui continue à évoluer au travers des différents ateliers, des jeux, des skate games par exemple, qui est un nouveau format qu'on vient d'insérer dans cette journée. Ils vont avoir l'opportunité de découvrir finalement toutes les facettes et toute l'histoire de Nidji. À la fin de ces journées, ce qu'on souhaite en tous les cas, c'est que chaque participant, finalement, au-delà du plaisir que j'espère ils ont pu avoir au travers de la journée, ait effectivement une fine connaissance de l'entreprise. Et puis surtout, ils ont mis des visages sur les différents métiers de l'entreprise. Ils ont un référent qui est leur parrain ou leur marraine. Et ils ont un réseau interne et des référents au sein de chacune des activités qui vont pouvoir répondre à leurs questions et à leurs attentes au fur et à mesure qu'ils les rencontreront dans les projets.